il fait 18 degrés. Et pour votre plaisir, un bon vieux classique, Sunshine. C'est parti pour les œufs brouillés et les toasts. Sunshine opens up my day. A cool breeze blows along my way. Papa. Bonjour, ma princesse. Tu veux ton petit déjeuner? Ouais. Rejoins-moi en bas. Qu'est-ce que tu dessines? Là, c'est moi. Là, c'est toi. Et puis là, c'est maman. C'est magnifique. Tu sais quoi? Je vais le mettre là-bas avec les autres. Et toi, tu vas finir ton petit déjeuner, d'accord? D'accord. Allez, dépêche-toi, on va être en retard. Bonne journée, ma chienne. Ça, c'est sûr. Et fais bien ton travail. Oui, comme toujours. C'est vrai. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que t'as le cerveau de ta mère. Allez, à ce soir.
Voilà, ma princesse. Bonne nuit. Bonne nuit, papa. Et te laisse pas manger par les puces. Ça va aller, ma chérie. Mets-toi à genoux. Ça va aller. À genoux. Main derrière la tête. Calme-toi. Ferme-la. Écoutez. Prenez tout ce que vous voulez. Sortez. Lui faites pas. Je t'ai dit de la fermer. Alors tu la fermes. Tu la fermes. Rien trouvé. Où elle est? Où elle est quoi? Non. Te fous pas de moi. Je sais pas de quoi tu parles. La coke. Où est-ce qu'elle est, la coke? Mais quel coke, les gars, mais de quoi vous me parlez? Y a pas de drogue, y a pas de drogue ici. Fais gaffe, parce que moi je plaisante pas. Mais je te dis que je sais pas de quoi vous parlez. Tu fais quoi là? Je veux pas qu'elle voie ce qui va se passer. Non, non! Hey! Écoute-moi bien. Je vais mettre une balle dans la tête de ta gamine si tu me dis pas où non, tu l'as placée. S'il te plaît, s'il te plaît, fais pas ça. Écoutez, écoutez-moi les gars, vous devez vous tromper d'adresse. Non mec, on se trompe pas du tout. On est bien au 23 Kingsbury Grove. Non. Ici, c'est le 23 Kingsbury Green. 23 Kingsbury Green, pas Grove. Regarde. Sur la table derrière toi, il y a une facture pour le 23 Kingsbury Green. Regarde, je te dis. Regarde cette facture, regarde. Ça y est, t'as vu? 23 Kingsbury Green. Je vous en prie, lui faites pas de mal. S'il vous plaît, sortez d'ici. Je vous jure que je dirai rien. Je dirai rien. Tu vas pas aller voir la police? Non, je vais pas aller voir les flics, mec. C'est ça, et tu penses qu'on va te croire? Ouais, partez tout de suite, je dirai rien, je vous le jure, partez. Problème, t'as vu mon visage? Non, faites pas ça, non. Désolé, mec. Lâche-la tout de suite. Lâche-la, mec. Lâche ma fille. Je vais lui couper la gorge. C'est bon. C'est bon, chérie. Ça y est, c'est fini. C'est fini. Ils t'ont fait du mal? Non. T'es sûr?
Moi, je suis sûre. Il faut que j'appelle quelqu'un, ma chérie, d'accord? Attends. Tu saignes? Callister à l'appareil? Allô? Papa! Qu'est-ce qui se passe? Papa, réveille-toi! Papa! J'espère que c'est important. Ray. Oui, c'est très important. Ça vient de Londres. Tom a des problèmes. Quoi? Hey! Hey! Je peux savoir ce qui se passe? Où est passée ma fille? Vous avez reçu des coups sur la tête. Vous êtes là depuis plus de 10 heures. Vous avez beaucoup de chance d'être... Où est passée ma fille? Elle va bien, Monsieur Parker. Elle est en bonne santé. Je me présente, je suis l'inspecteur Quinn. Je voudrais la voir, où est-ce qu'elle est? Confiée aux services sociaux, à Cavendish Place. Enlevez-moi ces saletés de menottes. Désolé, mais je peux pas faire ça. Pourquoi? Vous êtes en état d'arrestation pour meurtre. Et parce que je trouve aucune trace de vous dans nos fichiers. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Ces types-là sont entrés par effraction. Ils ont essayé de me tuer et de tuer ma fille! Monsieur Parker, vous avez le droit de garder le silence. Vous avez droit à un avocat. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous, vous comprenez? C'est un acte de légitime défense. Je n'avais pas le choix. C'est ce que nous verrons. Bonjour, Carly. Ça va? Je suis contente de faire ta connaissance. Je m'appelle Stacy. Qu'est-ce que tu dessines? J'aime bien ton bracelet. Moi, tu vois, c'est ce collier-là. Je le porte tout le temps. C'est ma mère qui m'en a fait cadeau. C'était le bracelet de ma mère. Mon père lui avait offert avant qu'elle meure. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Ici, tu n'as rien à craindre. Il y a des méchants qui sont venus chez nous. Ils ont tapé mon père. Il voulait juste me protéger. C'est son travail. Lui, il est gardien. Je sais, oui. Mais où il est? Là, il est à l'hôpital, ma chérie. Les médecins s'occupent de lui. Après, je pourrai le voir? Passons à la météo. Le temps sera très frais aujourd'hui. On trouve la baleine à bosse dans tous les océans. Elle se... Tu lui as pas dit que t'étais enceinte? Non, parce que je... Et tout le voisinage est en état de choc. Martin Parker, propriétaire et père de famille, a décidé de faire sa propre loi, en tuant de plusieurs balles 3 individus qui s'étaient introduits chez lui par effraction. La police se refuse à faire tout commentaire sur le suspect.
Les services d'urgence étaient intervenus très vite. Mais il était trop tard, malheureusement. Les trois jeunes hommes étaient déjà morts. C'est quoi, ça ? Messieurs, il paraît qu'il y a un problème. Et c'est même une certitude. C'est regrettable. Les armes que vous m'avez vendues, c'est de la pure merde. Je vois que vous avez du vocabulaire. C'est du bas de gamme chinois. On m'avait promis des armes de qualité. C'est pour ça que je m'adresse à vous. Je vous assure que ces armes sont de très bonne qualité. J'achète plus rien chez vous. Je veux seulement mon argent. Ensuite, je m'adresserai à un autre fournisseur. Voyons voir. Royal Bulldog. 9 mm. Je sais très bien ce que c'est. Et il marche pas, point barre. Culasse à court recul. Précis jusqu'à 50 mètres. Rendez-moi mon fric! Avec moi, il marche très bien. Monsieur Cooper, je viens de recevoir une vidéo de l'un de nos contacts en Angleterre. Je vous laisse la regarder. Et tout le voisinage est en état de choc. Martin Parker, propriétaire et père de famille, a décidé de faire sa propre loi, en tuant de plusieurs balles trois individus qui s'étaient introduits chez lui par effraction. La police se refuse à faire tout commentaire sur le suspect. Les services d'urgence étaient intervenus très vite, mais il était trop tard, malheureusement. Les trois jeunes hommes étaient déjà morts. Combien t'as payé pour ça? Messieurs, le patron a dit, c'est une fête privée. Les boissons sont pour la maison. Merci, patron. Et aussi un pour la petite. À nous, messieurs. Santé. Santé. Ouais, on était tous bourrés. Ça, petite farceur. Attends, tu savais bien où je voulais en venir, non? T'en as assez, là? Donne-moi ça. Je suis sûr que ça va pas les gêner. De rien, chérie. Allez, passe-en une. Allez, vas-y, mon pote. Ouais, je reviens. Ouais, c'est ça, casse-toi. Tu t'es fait du fric aujourd'hui. Oh putain, c'est bon. Tiens, boss. Le compte y est, j'espère. Sors le champagne, allez hop.
Monsieur Bishop. C'est Charles Cooper. Vous m'appelez en personne? Ça doit être important. Très important. Je vous écoute. Martin Parker. Son vrai nom, c'est Mackenzie. Thomas Mackenzie. C'est un ancien agent fédéral. Délai imposé? Immédiat. C'est double tarif dans ce cas-là. D'accord. Une dernière chose. Il a une fille. C'est pour vous, c'est votre avocat. Oui. C'est vrai. Je suis content de t'entendre. Ma photo passe sur toutes les chaînes et je suis mis au terrain, putain de lit. Il faut que tu me sortes de là tout de suite. On va y arriver, mais là, t'es accusé de meurtre. J'avais pas le choix. Écoute, je suis dans l'avion. Dans 2 heures, je serai à Heathrow. Une fois là-bas, je pourrai expliquer aux autorités les raisons de la confidentialité de ton dossier. Dans 2 heures, c'est beaucoup trop long. Et tu fais quoi pour Carly? Je fais du mieux que je peux. Note mon téléphone. Excusez-moi, j'aurais besoin de noter quelque chose. Ça y est, c'est noté. Ouais. Quoi? Où est Cooper? On sait pas. Je dois protéger Carly. Écoute. Excusez-moi. Delta 65, policier à terre dans la chambre 4. Le prisonnier s'est échappé. Hey ! Restez là ! Allongez-vous sur le sol, les mains dans le dos ! Arrêtez ! Allongez-vous par terre ! C'est moi qui vais t'allonger. La petite dans un endroit plus sécurisé. Pourquoi? On a un problème avec son père. Il est très dangereux.
Il vient d'agresser 3 policiers. Je peux y aller à votre place, si vous voulez. Non, 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 je l'accompagne. Vous êtes sûr? Cette pauvre petite n'a personne. C'est pas le moment qu'elle se retrouve encore avec des gens qu'elle n'a jamais vus. D'accord, mais faut y aller. Très bien. Carly, on va devoir faire un petit voyage. Tu prends tes affaires? Je peux vous aider? Oui, je suis de la police, inspecteur Quinn. Attendez, faites-moi voir ça. Il y a une petite fille ici, blonde, 8 ans. Je veux savoir où elle est. Je peux pas respirer. Réponds à ma question. Elle est avec une employée qui s'appelle Stacy. Quel étage? 3e. Monsieur, est-ce que je peux vous aider? Oui, inspecteur Quinn. Je cherche une petite fille qui est arrivée cette nuit, Carly Parker. Je ne suis pas au courant. Allez voir au bureau de Graham, tournez là à gauche. Allez au fond du couloir et à droite. Je peux vous aider, monsieur? Oui, je suis l'inspecteur Quinn. J'ai besoin de voir une petite fille qui a été amenée ici. Est-ce que je pourrais voir votre carte, inspecteur? Oui, bien sûr. Sale journée. Excusez-moi. Oh. Oui. C'est pas grave, c'est rien du tout. Laissez-moi une minute, je l'ai laissé dans la voiture. Comme c'est dommage. Reste pas là! Laissez-moi! N'est-ce pas? Mais tu dois savoir pourquoi je suis là. Et moi, je suis au courant de tes erreurs du passé. Tu sais, Monsieur Cooper m'a offert un joli paquet de billets pour que je te livre chez lui, dans un cercueil. Il t'en veut beaucoup pour ce qui s'est passé.
T'es dingue ou quoi? J'ai bien failli vous Vite, tuer. Vite, démarre. Quoi? Bouge ton cul. Oh, d'accord, d'accord. Vous avez l'air pressé. Ouais, on peut dire ça. Y a un endroit où je peux vous déposer, cher monsieur? Allez vers le sud. Vous êtes américain, hein? Toujours pressé, comme d'hab. De quel état? D'un peu partout. Vous êtes en vacances? Quoi? Est-ce que vous êtes en vacances? Je connais des tas de bons restaurants. Vous aimez manger italien? J'ai un pote qui a un super resto juste au bord de l'eau. Il fait des spaghettis, des pâtes à la carbonara. Mauvaise nouvelle, Ray. Où êtes-vous? Je viens juste d'atterrir. Je vais chercher la voiture de location. Tom s'est échappé de l'hôpital. Quoi? Ils ne savent pas où il est. Et Carly? Transféré dans un endroit plus sécurisé. Où ça? Ils n'ont pas voulu le dire. Tom est toujours accusé de meurtre. C'est de la pure connerie! Il faut qu'on les localise avant Cooper. Je vais continuer à me battre contre la lourdeur diplomatique, essayer de le retrouver. Aux dernières nouvelles, il était à Cavendish Place, les bureaux de l'aide à l'enfance. D'appeler et vous avez la meilleure table qui est réservée. Allô? Ici, c'est la police. Tout d'abord, restez calme. N'ayez surtout pas l'air surpris par ce que je vais vous dire. Tâchez de rester naturel et faites comme si de rien n'était. Votre client est un homme extrêmement dangereux. Riez. Quoi? Riez comme si je vous avais raconté une blague. Oui. Ouais. Ouais, ouais. Bien. Maintenant, où est-ce que vous êtes? Là, je viens de prendre la 112. Vous avez dépassé la station-service? Non. Arrêtez-vous, j'arrive dans 90 secondes. Oh. C'était ma femme. Elle s'inquiétait. J'ai besoin de faire le plein, là. Il y a une station-service, pas loin. Vous êtes sûr que ça va? Oh, oui. Non, oui, tout va bien. Tout va bien. Super bien. J'en ai pas pour longtemps.
10 000 si vous le mettez KO pour moi. Vous pourriez me prêter votre portable. Votre portable, passez-le moi. Eh hey mec, nous on a reçu un appel pour toi. Il a dit 10 000. C'est pas une bonne idée, messieurs. C'est moi. Mais où est-ce que t'es ? Cooper m'a envoyé un mec, j'essaie de m'en débarrasser. Mais où t'es maintenant ? T'as un GPS ? Ouais. Au dock Royal Victoria, le terminal des cabines. Sois là dans 4 minutes. Vous arriverez à destination dans 7 minutes. Sérieux ? 4 minutes ? Ouais, je compte sur toi, mec. Je vais vérifier l'étage. D'accord. On est où, là ? Dans une ancienne ferme. On va y rester cette nuit. J'ai peur, Stacy.
Quoi? J'ai peur. Mais non. Hé, hey, t'as pas à avoir peur. Je suis là et avec moi, rien ne pourra t'arriver. D'accord? Je voudrais mon papa. T'inquiète pas, ça va aller. Maintenant, on va monter et on va dormir. Tu es sûrement fatiguée après la journée que t'as passée. Tu trouves pas que c'est une bonne idée? Bon, allez. Vas-y, monte. On sait où est Carly. Je vous écoute. Old Oak Farm. TN8-2JR. C'est noté. Tom, nous allons très vite vous sortir de là. Votre mandat d'arrêt sera annulé d'ici une vingtaine de minutes et les ordres seront donnés là où est cachée votre fille. Allez vous mettre à l'abri pendant qu'on procède à votre récupération. Tom, c'est pas bon ça. La balle est ressortie. Je crois, oui. Je te mets à l'abri comme ils ont dit. Non, il faut qu'on aille te soigner et maintenant tu la fermes. Après, on ira retrouver Carly. Non, on doit y aller tout de suite, Ray. Tu n'y seras à rien si tu pisses le sang. Merde. Des hommes à nous vont s'occuper d'elle. Mettre ta fille et toi à l'abri, c'est la priorité. Qu'est-ce que je fous là, sinon, d'après toi? On va soigner cette blessure et ensuite, ta fille et toi, vous serez partis bien avant que Cooper et ses copains aient le temps de se retourner. C'est clair? Ouais. Ah, alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Bonne nouvelle, inspecteur. Vous allez avoir beaucoup moins de boulot. Quoi? Le dossier Parker est clos. Qu'est-ce que c'est que cette blague? On vous a retiré l'enquête. Il y a 3 policiers qui sont à l'hôpital à cause de cet enfoiré. Ouais. Il y a aussi 3 cadavres au frigo! C'est mon enquête! Plus maintenant. Et cet ordre vient directement du sommet. Intervention diplomatique. Non. C'est d'abord de la pure connerie! Appelez ça comme vous voulez, mais c'est comme ça. Merde! Chier! Monsieur Cooper? Je vous avouerai que je suis très déçu. Il sera mort avant la fin de la nuit, vous n'avez pas à vous en faire. Et la petite? Ils l'ont emmenée dans un endroit sécurisé avant que je puisse intervenir. Où est-ce? Je vous ai posé une question. Je le saurai d'ici peu. Je vous le conseille. J'atterris dans 30 minutes. Change pas, t'es toujours aussi têtu qu'une mule. Quel étage? 5e. Ah.
bel appart. La suite au Ritz n'était pas libre. Où êtes-vous ? À la résidence sécurisée avec Tom. Bien. Où en êtes-vous pour Carly ? Des agents sont en route vers sa résidence sécurisée. Bien. Faites en sorte que Tom aille mieux. D'ici une heure, nous ferons tout pour que sa fille et lui soient réunis. Et en ce qui concerne le type que Cooper a envoyé ? On a son identité grâce aux caméras de surveillance du téléphérique. Qui c'est ? Il s'appelle Bishop. D'après son dossier, il agit en solitaire. Il a appris son métier au MI6, mais il n'y a pas été admis. Depuis une dizaine d'années, il travaille principalement comme tueur à gages. Et c'est actuellement le tueur le plus dangereux que l'Europe ait à offrir. Très rassurant. On reste en contact. On nettoie tout ça ? L'enfant s'appelle Carly Parker. Elle est actuellement à Old Oak Farm, TN8 de JR. Elle doit être conduite à l'ambassade. T'as des nouvelles de Cooper ? Tout ce qu'on sait, c'est qu'il avait quitté le pays quand on a installé Carly et toi ici. Il n'a pas mis fin à son commerce. Il approvisionne toujours les Serbes, les Croates et la Corée du Nord. Tous ceux qui ont du fric. On l'avait trouvé, ce salopard. Et t'étais pas loin de le coincer, mais ça lui a fichu la trouille. Quand un gars comme Cooper veut rester caché, il reste caché. Et il peut... le rester indéfiniment. J'admire ton optimisme. Ça va piquer un peu. Non, attends! Westminster. Comment tu te sens ? Je devrais survivre. Ça ira encore mieux quand je serai avec Carly. Tout ce merdier sera terminé. Ça va pas tarder. Ah ouais, t'es sûr de ça, toi ? C'est pas de ta faute. Je vois pas les choses de cette façon-là. Tu dois pas penser comme ça. Si elle est morte, c'est à cause de moi. Non. Le vrai fautif, c'est Cooper. Pas toi. La bombe dans la voiture était prévue pour moi. C'est moi qui devais mourir, pas elle. Quand j'ai rencontré Emma, j'étais tellement plongé dans ce monde de dingue que j'arrivais même plus à savoir qui j'étais vraiment. Mais elle a été la seule personne qui a pu me rappeler qui j'étais réellement. Et Carly est la seule personne qui peut me rappeler qui elle était. Si je peux pas la protéger, je fais quoi ?
Ça va? Ouais, on peut y aller. Où sont les flingues? Dans la chambre. Pas blindé. T'es prêt? Sauf si t'as une autre solution. C'est pas ce que je t'ai demandé. Je sais tout sur toi. Un agent fédéral un peu trop curieux n'a réussi qu'à faire tuer sa femme. Va te faire foutre! Allons, allons, Thomas. C'est pas la peine d'être grossier. Tu sais, une fois que je t'aurai tué, devine un peu qui je vais aller chercher. Je te donne un indice. Cheveux blonds, de jolis petits yeux marrons, et le même sourire que sa mère. Tu sais, mon employeur, Monsieur Cooper, il tient à connaître sa petite fille. Carly, c'est ça? Il a le sentiment que ce serait une certaine façon de remplacer la fille que tu lui as prise. Tu seras mort avant que tu aies eu le temps de t'approcher d'elle. Il va pas tarder à atterrir. Alors soit ouvre cette porte et tu meurs rapidement, soit tu t'obstines et tu vas souffrir avant de mourir. Tu choisis quoi? Je te l'ai déjà dit, va te faire foutre!
ici. Dans la voiture. Au secours. Où c'est vous? Dégagez. C'est la première fois que tu te prends une balle. Hé! Hey, regarde-moi, Ray! Ray! Maintiens la pression sur ta blessure. Ray! Ray, merde! Reste avec moi! Allô? Stacy Miller? Oui? Je suis Gail Callister. Je ne veux pas vous inquiéter, mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Je suis en relation avec l'ambassade américaine et les forces de police britanniques. Je suis en charge du dossier Parker. Quoi? Vos supérieurs pourront vous le confirmer, mais je veux vous prévenir que des agents vont arriver d'ici très peu de temps, afin de vous protéger, vous et Carly. Mais attendez, on m'a dit que son père est très dangereux. Vous pensez qu'il va... Le père de Carly est un homme honnête. Ce n'est pas pour cette raison que nous allons vous transférer. Désolé d'avoir tué ton pote, ferme là. Tu vas pas me tuer, si. Non, parce que tu l'aurais déjà fait. Si je t'ai pas encore tué, c'est parce que tu vas faire quelque chose pour moi. Qu'est-ce que ça fait de... d'être agent secret pendant 5 ans, d'avoir une autre identité. Ça a dû être le pied d'essayer de choper un gars comme Cooper. Ça t'a éclaté. Ou t'aimais encore plus baiser sa fille. Thank you.
moteur. Donne-moi les clés. Allez, tu sors. Tu sors. Main derrière la tête, les doigts croisés. C'est joli ici. Allez, avance. Très jolie petite fille. Elle m'est précieuse. Vous serez bientôt près d'elle. On dirait que c'est comme l'une de ces grandes maximes du monde. Je suis riche et puissant. Et pourtant, je cherche quelque chose que je ne peux plus avoir. Emma était ce que j'avais de plus important au monde. Quand j'aurai retrouvé ma petite fille, je ferai en sorte que son père ne soit plus qu'un lointain souvenir. Je vais appeler ton employeur. Tu lui diras que ta mission est accomplie, que le père est mort et que tu as récupéré sa petite fille. Tu lui donnes rendez-vous sur ce quai. Un seul accès. Toi, tu vas grimper là-haut. Cooper sera piégé. Si je fais ce que tu me demandes, qu'est-ce que j'y gagne ? Le droit de vivre, peut-être. Tu crois que tout va s'arranger quand Cooper sera mort? Pas moi. J'en ai rien à foutre de ce que tu penses. Juste une petite remarque. Ton pote, cette nuit, mort. Ta femme, morte. Tu peux pas me tuer. Pas avant que j'aie passé ton appel. Si je passe ton appel... Ça devrait plutôt être toi. Je suis sûr que Carly sera heureuse d'entendre ta voix une dernière fois. Mais de quoi tu parles ? Je parle de la petite Carly retrouvant son grand-père lors d'une belle réunion de famille. Laquelle, à mon avis, doit avoir lieu en ce moment. Tu me racontes n'importe quoi. Tu sais pas où elle est. Impressionnant. Yeah!
l'inspecteur Quinn a été très bavard avant que je lui mette une balle dans la tête. Old Oak Farm. C'est bien là qu'elle est, hein? Jean Boyd et Reed. Bonsoir, je suis Stacy. La petite s'est endormie? Oui. J'y vais. Non, laissez-moi y aller. Elle a vécu des moments très difficiles. Elle a peur et elle ne vous connaît pas. Nous devons être partis dans 15 minutes. Je vais la chercher. Chérie, il faut qu'on s'en aille. Combien de temps? 5 minutes, Charles. Vous n'avez pas d'enfant, n'est-ce pas? On vous attend à l'extérieur. Être la personne qui s'occupe de ma petite fille. Nous n'avons plus besoin de vos services, mademoiselle. Oh ! Je le trouve pas. Je vous laisse finir. Je n'en peux
s'occupe d'elle, Monsieur Cooper. J'arrive, mon bébé. Ça y est, je l'ai. N'aie pas peur. Je m'appelle Charles. Je suis le père de ta mère, ou si tu préfères, je suis ton grand-père. Tiens. Regarde. Tu dis que t'es mon grand-père ? Oui. Et mon papa, tu le connais ? Je le connais très bien. Nous sommes très amis. Il m'a demandé de m'occuper de toi. Tu sais... Tu ressembles beaucoup à ta maman. Papa, il dit toujours ça, lui aussi. Tu as de très jolis yeux. Comme elle. Tu sais... Ta maman a toujours été ce que j'avais de plus important au monde. Elle était merveilleuse. Comme toi. Je pense qu'en ce moment même où nous parlons, elle nous voit. Et tu sais quoi ? Quoi ? Je suis sûr qu'elle est heureuse. Parce qu'on s'est enfin retrouvés. S'en aille d'ici, non ? Je propose qu'on aille là où il fait chaud. Là où il y a tout le temps du soleil. On part en vacances ? Ouais. Et papa aussi ? Oui, bien sûr. Allez, viens. Carly, voici Anna. Elle est très gentille. Elle veut devenir ton amie. Bonjour Carly, je suis très heureuse de te connaître. Ce sont des feux d'artifice. Tu sais, j'aime pas beaucoup ça. On va attendre dans le salon que tout soit terminé, hein ? Thank you.
Que t'es un sacré adversaire. T'inquiète pas, Thomas. Quand tu seras mort, Carly sera avec son grand-père, là où elle doit être. Ça, les histoires drôles. On va y aller, Charles. Oui, on va pas passer notre vie dans cette vieille ferme. Oh, papa! T'inquiète pas, ma chérie. Je suis là. T'as plein de sang sur la figure? C'est rien du tout, chérie. Ça va aller. Pourquoi t'as un pistolet? C'est juste pour faire semblant. Nous venons de faire connaissance. Elle ressemble tant à Emma. Tu trouves pas? Grand-père a dit qu'on partait en vacances et que toi, tu venais aussi. Cet homme n'est pas ton grand-père, ma chérie. Mais c'est ce qu'il a dit. Je me fiche de ce qu'il dit. Lâchez-la, Cooper. Posez votre arme. Je veux aller avec mon papa.
Tais-toi. Pose ton arme. Je répéterai pas deux fois. Faites ce qu'il vous dit! J'ai attendu ce moment depuis longtemps. Papa, j'ai peur. Ça va, ma chérie. Et toi? Ma princesse. Je t'aime si fort. Ça y est, c'est fini. T'as plus rien à craindre. T'entends? Chariot burning fire.
I'm never scared of the dark. I will lurk out to get you. Every hit will stay on my mind forever. I'm born to kill, it's my way.